Voilà pour toi, tête de raisin. Youhou! Des fruits partout! Oui! Une poêle à frire! Je bois dedans! Bim bam boum! Oups! L'arbre est tombé! Oui! Je ne supporterai pas ce chaos une minute de plus! Une seconde! Oui! Je vole! Je suis le meilleur papa du monde! Papa! Je peux utiliser ce savon pour laver la vaisselle? Oh! Tu veux faire la vaisselle? Bien sûr, ce savon sera parfait! Oh! Ça glisse! Et ça mousse! Elle fait bien beaucoup de bruit en faisant la vaisselle! Je ferais mieux de jeter un œil! Oh! Mais quel chantier! Au lieu d'utiliser tes doigts, prends plutôt cette éponge! Non! C'est trop nul! Les éponges! Regarde! C'est tout propre! Même mes doigts! Attends! Je crois que j'ai la solution! Il me faut cette éponge et je vais en séparer les deux parties. Je prends la partie qui gratte et une paire de ciseaux et je coupe des bandes. C'est parti! Ensuite, je prends les gants en caoutchouc et de la colle. Je vais en mettre sur chaque doigt et un peu au creux de la main. Maintenant, je colle l'éponge bien au milieu et je colle les parties vertes sur les doigts. Et voilà, ça fait de magnifiques gants! Olivia, regarde ces superbes gants de vaisselle! Oh! Ils sont jolis! Enfile-en un sur ma main! Oh! C'est trop bien! J'adore! J'en prends un moi aussi! Allez, nettoyons! Je mets un peu de liquide vaisselle sur ton éponge et c'est parti! Prête? Faisons briller ces assiettes! Waouh! Regarde comme c'est propre! Et voilà! La vaisselle est faite! Bon travail! Top là! Oh! Je ne voulais pas… Oh! Laisse tomber! Je voulais juste dire qu'on a bien bossé! Oh! Non! J'ai cassé une tasse! Ah! On dirait que je n'ai pas fini de nettoyer… J'ai soif! Je vais remplir mon verre! Oh! Je n'arrive pas à ouvrir la bouteille! Papa! Hein? On m'a appelé? Je vais aller voir! Qu'est-ce qui se passe? Je veux de l'eau! J'ai soif! Ah oui? Ok, voilà! Je vais remplir ton verre pour que tu n'en mettes pas partout! Voilà, ça devrait suffire! Ouais! De l'eau! Glou glou glou! Ah! Merci papa! Je vais retourner au salon et manger un bout! Papa! Il se moque de moi! Qu'est-ce qu'il veut? J'adore l'eau! C'est trop bon! Papa! Nom de… Encore? De l'eau, de l'eau, de l'eau! Oh, j'arrive pas à croire qu'il soit si tard! Je suis épuisée! Je vais faire une petite sieste! Papa! Hein? Quoi? Oh, ça suffit! Je dois absolument trouver une solution! Hé, je sais quoi faire! Allez, je vais juste prendre ce gobelet en carton. Je vais ajouter un peu de déco si je veux que ça fonctionne. Voilà, un bel éléphant! Je prends une bouteille de jus de fruits. Je la mets dans le gobelet. Je fais un trou ici. Et j'insère une paille à l'intérieur. J'ai encore soif et je n'ai plus d'eau. Coucou, j'ai quelque chose pour toi. Regarde, je vais te montrer. Oh, un verre éléphant. Tu as juste à dévisser le bouchon et le jus coulera tout seul. Ensuite, revisse le bouchon. L'éléphant sert du jus d'orange. Merci, papa. Je t'en prie. Tu peux te servir tout seul maintenant. Plus besoin de m'appeler. Ce jus est trop bon. Hé, papa est parti. J'ai une idée. Viens par là, éléphant. J'ai pas besoin de verre. Oui. Glou, 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 glou. Hein? Attends. Où est le jus? Il n'y en a plus. Papa! Je me sens pas bien. Chérie, tu te sens toujours mal? Oui. D'accord, je vais te donner quelque chose pour aller mieux. Hein? C'est un médicament? J'en veux pas, c'est pas bon. Mais Olivia, c'est pour aller mieux. Papa, j'ai plus de jus. J'en veux encore. Une seconde, une paille, du sirop. Ça peut marcher. Essayons. Je prends son verre. Et je retire le couvercle. Voici son médicament. Je retire le bouchon. Je mets le flacon dans le verre. C'est parfait. Je n'ai plus qu'à remettre le couvercle.
Voilà, ça devrait marcher. On va voir. Chérie, je t'ai rapporté quelque chose à boire. Oui, j'ai trop soif. Oh là là, elle boit, ça fonctionne. Je me sens bien mieux d'un coup. Oui, je suis guérie. Merci, papa. Oh, je suis contente que tu te sentes mieux, Olivia. Allons jouer, viens avec moi, papa. Oh, chérie, vas-y quand même doucement. Youhou, on joue à cache-cache? Des livres, j'aime pas les livres, j'ai ton lait. Oh, c'est peut-être pas une si bonne idée. Wouhou! Je coupe les arbres. Yeah! Je suis pleine d'énergie! Je coupe aussi cet arbre! Boum! Oh, quel cauchemar! Je ne me reposerai donc jamais! J'arrive! Qui ça peut bien être? Oh, c'est un colis! Génial! J'adore ça! J'ai hâte de voir ce que c'est! Boum! Ah! Salut! Oh, ça fait mal! Ouf! Oh non! J'ai fait tomber ce paquet et il y avait écrit « fragile » dessus! C'est peut-être pas si grave! Oh, je crois que ce bruit n'est pas bon signe! Une seconde, ça ne me dit rien qui vaille, mais j'ai une idée! Ok, je vais couper le scotch du carton et l'ouvrir. Oh, c'est cassé! Mince! Ça ne me servira plus à rien. Mais le carton, si! Je l'ai peint en rouge, c'est parfait! Ensuite, je prends mon cutter pour le modifier. Je découpe juste une bande comme ceci. On dirait une sorte de ceinture. Mais je n'en ai pas besoin. Oh oui, je vais le décorer un peu. Ces autocollants sont parfaits. Des vélos et des petits cœurs, c'est exactement ce qu'il faut. Je vais le poser ici en bas des escaliers. C'est pas mal. Olivia, viens voir ce que j'ai fait pour toi. Waouh, c'est trop cool. C'est quoi? Des vélos et des cœurs? C'est pour ranger ton vélo. Merci papa. Comme ça, il ne traînera plus par terre. Honnêtement, c'est ma meilleure invention. Oh! Aïe! J'y crois pas! Oh mon Dieu! Ils ont l'air absolument délicieux! Oui! J'en veux un, moi aussi! Voyons voir. Je ne suis pas d'accord avec cet article. Cookies! Bon, il n'a pas tout à fait tort là-dessus. Je vais quand même faire quelques recherches. Mais... où sont passées mes cookies? Le bol est vide! Olivia? Coucou, papa! Elle a tout mangé! Bob, mes gâteaux sont bien cachés sous ce coussin. La voie est libre, je peux y aller tranquille. J'ai attendu ce moment toute la journée. J'adore ces petits biscuits au fromage, ils sont trop bons! Je vais remettre mon film. J'ai hâte de voir comment il se termine. Coucou, papa! Oh, des biscuits apéro, j'en veux! Au revoir, papa! Je ne peux jamais manger tranquille! J'en ai assez! Je dois faire quelque chose! Ok, j'ai une idée! Je vais prendre ce couvercle. Je le pose à l'envers sur mon saladier de biscuits. Maintenant, prenons quelque chose qu'elle n'aime pas, comme du brocoli. Je vais en mettre sur le couvercle. J'en mets partout, jusqu'à cacher complètement les biscuits. Encore un peu! Là aussi... Parfait! Je peux retourner à mon film! Ah, je crois que ça va marcher! Papa! Je peux prendre des biscuits? Hein? Des brocolis? Burk! Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'en veux pas? Non! Bah! Ça a marché! Regardez comme elle a déguerpi! Burk! Je ne veux pas manger de brocolis! Je préfère les biscuits au fromage! Allez, venez par ici! Je vais vous manger! Ah, ça fait du bien! Je l'ai bien mérité après tout! Comment t'y prendrais-tu pour grignoter en douce? Dis-le-nous dans les commentaires! Pense à partager cette vidéo avec tes amis et abonne-toi à notre chaîne pour voir d'autres vidéos comme celle-ci!